N'hésitez pas à faire vos derniers jeux, le drapeau est levé. Sans un peu de fébrilité de la part des pilotes, gagner au point de Moulins est toujours une victoire importante. Et c'est Roman qui a pris la tête. En dernière position, on a Charles Cléieux. En deuxième position, Roman est en tête devant Margot, suivi à deux longueurs par Ryan et Tom Chipmunk. Roman et Hurricane de Chanteloup toujours en tête. Et ces deux cavalières, donc ce sont les deux cavalières, Margot Moisson et Roman Breton, qui ont déjà pris quelques longueurs. Aux deux cavaliers, on voit Charles qui revient après un départ sage sur ce cheval qui, je le rappelle, débute en course. Petit regroupement à l'entrée de la ligne droite. Roman se retrouve en quatrième position, tandis qu'en tête, on a une lutte entre Charles Cléieux et Margot Moisson. Jolie lutte, c'est Charles maintenant qui prend l'avantage après une course sage. En tête, vous pouvez l'encourager sous les encouragements du public nombreux et passionnés de Moulins. Il passe le poteau en tête, suivi par Margot Moisson, tandis qu'à quelques longueurs, on retrouve Ita Tom Shipman, qu'on reverra en course de haie avec Ryan Lallis. Et donc, Hurricane de Chanteloup et Roman, qu'on retrouvera aussi dans une autre épreuve.